passionne depuis très longtemps, c'est de découvrir. De découvrir les espaces des relations, les espaces du monde, les espaces que je rencontre au fur et à mesure de ma vie. Donc je suis psychomotricienne depuis 30 ans, avec un chemin qui m'a amenée par les crèches et par les rencontres, notamment Albert Kuhmann et Marie Frahan, à affiner, à connaître, à découvrir de nouveau tout ce qui était au niveau du tout petit. Je travaille dans différentes équipes, je suis indépendante avec des temps de formation, des temps d'accompagnement d'équipe et des temps d'accompagnement des familles et des enfants comme thérapeute. Bien, c'est les notions de vivant et des possibles. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'espace, c'est à la fois l'espace intérieur, donc comment je vais parler de moi, hein, comment je suis dans mon espace intérieur, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je continue à explorer de mes espaces intérieurs, qu'ils soient corporels, psychiques, émotionnels, relationnels, mais dans une dialectique permanente, donc c'est là où l'espace est très intéressant, dans une dialectique permanente avec l'extérieur. Et l'extérieur, bah, c'est là où je baigne. Et je vais faire le parallèle avec un enfant, c'est comment il grandit, un tout petit bébé, avec la découverte et la maturation de ses espaces intérieurs. Et il ne le fait qu'en résonance, il le fait beaucoup en résonance et de façon permanente avec ce qui est à l'extérieur, que ce soit l'espace. Quand on parle classiquement de l'espace, des formes, des directions, de ce qui nous entoure, comme l'espace des relations, l'espace des émotions et tout ça. Christelle Favresse, j'ai une formation d'ingénieur architecte. Cela fait une vingtaine d'années que je travaille dans le monde de l'accueil de la petite enfance, mais toujours en tant que conseil auprès des architectes qui créent des milieux d'accueil. Je dis bien architecte conseil parce que c'est pas moi qui crée les bâtiments. Ma spécialité, c'est de donner à l'architecte tous les éléments nécessaires pour que le bâtiment réponde à sa fonction. Ma démarche est toujours la même, comprendre les besoins des utilisateurs, des adultes, comme des enfants dans le cas des milieux d'accueil, et les traduire dans un programme architectural. Depuis presque 4 ans, je suis aussi intégrée à l'ASBL Étoile d'Herbe. J'ai appris avec Anne à connaître les besoins d'éveil. L'espace pour moi, c'est des formes, des matières, de la couleur et puis de la lumière, des fenêtres, des portes, des meubles intégrés éventuellement, des sanitaires. En fait, un environnement avec ses possibles et ses contraintes qui induisent déjà un comportement conscient ou inconscient de l'utilisateur, quel qu'il soit, une manière de traverser, de l'occuper. Et puis, il y a son aménagement qui le définit, lui donne une fonction, une identité propre, un aménagement qui occupe une surface, ni trop grande, ni trop petite, qui comprend une surface éventuellement de circulation, un aménagement qui peut évoluer dans le temps. Enfin, il y a l'organisation des espaces entre eux. Ben ça a résonné, on a trouvé beaucoup de résonance dans nos approches. En plus, c'est une collègue qui a suivi nos formations de psychomotricien sur le développement du tout-petit. Donc, on a pu vraiment élaborer, travailler, réfléchir sur tout ce qu'elle peut apporter dans ses connaissances bien spécifiques d'architecte, mais d'architecte ouverte au quotidien de l'accueil des jeunes enfants. Et moi-même, ce que j'aime réfléchir, chercher, dans le quotidien de l'accueil, l'aménagement des espaces en crèche. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que les mots employés par les architectes vont faire résonance énormément avec les mots qu'on emploie dans nos concepts, dans nos recherches de psychomotriciens. Quand on travaille
travaille cette conception de l'espace dans les crèches, on réfléchit les liens avec les accueillantes, les liens avec les personnes, parents, enfants qui habitent les espaces des crèches, les accueillantes, dans le quotidien, et les liens avec le projet d'accueil, c'est-à-dire quelle ligne on a au niveau pédagogique, au niveau vraiment de manière d'accueillir l'enfant, les enfants, et comment ça se manifeste, comment l'espace nous parle de cet accueil, comment l'accueil va imprimer, les lignes pédagogiques vont imprimer nos façons de concevoir l'espace et travailler avec les gens de terrain par rapport à ça. Avec ces approches croisées, c'est aussi ouvrir la notion de créativité. La collaboration avec Christelle, en tant qu'architecte, va nous éveiller, nous éveille avec ce que notamment ce qui sont les obligations, cadre légal, et puis les recommandations, comme par exemple pour l'ONU, mais une recommandation n'est pas une loi, ce sont des pistes intéressantes, et puis quelle est la part de la créativité que nous avons, nous, psychomotriciens, avec les accueillantes et toutes les autres personnes, les architectes ont pour donner vie à cet espace. Les personnes ont très peur, on va du côté de la sécurité, donc il n'y a pas de surface dure, il n'y a pas de coin, on peut protéger les coins, il n'y a pas de hauteur. Or, un enfant qui grandit, il a besoin de se déployer dans l'espace. Et s'il n'y a pas de surface qui résonne, qui font résonner même son squelette à l'intérieur parce qu'il rencontre du doux, du dur, si c'est sur du doux, ça ne fait pas la même chose. C'est aussi intéressant s'il n'y a pas de hauteur. Donc comment on jongle avec cette notion croisée de sécurité-risque, cette dynamique-là, pour donner le possible aux enfants de se déployer dans l'espace.